Salut bro, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ce matin, je me suis levé. J'ai l'accent du sud un peu là. Je me suis levé avec le meilleur physique de ma vie, à 83,2 kg. Physique qui a encore bien bougé depuis la dernière vidéo que t'as vue, il y a genre 3 jours, non? On est dimanche là aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Paris. Et aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure journée pour filmer parce que là, je rejoins à Honneur Voltaire mon bro Erso. Et qui est probablement le plus beau physique naturel que tu as jamais rencontré. Moi-même, je l'admets. Mon bro Antoine, qui est définitivement pas loin pour le physique. Là, tu l'as vu dans la dernière vidéo, hein, définitivement. À Honneur. Donc, on va faire une séance upper body. Upper body version Erso, parce que mes séances, tu les connais. Déjà, je fais pas d'upper body. Mais mes séances, tu les connais. Celles d'Erso, peut-être pas. Erso, il y a une façon très particulière de s'entraîner, qui est très intéressante. Et qui marche vu son physique. Donc on a envie de changer un peu et j'ai envie de te présenter ça surtout à la caméra. Donc je vais faire ça à Honneur. Dernier jour, ça va tirer un peu. Probablement que je vais être un peu plus plat et je vais un peu tirer la gueule à la fin. Mais vas-y, ça valait le coup. En vrai, j'ai passé une semaine extraordinaire à filmer avec les bros. J'espère que ça t'a plu sur Instagram, etc. Et sur YouTube, bien sûr, 2 vidéos en une semaine, t'imagines? Si ça arrivait plus souvent, ce serait génial ça. Donc voilà, génial. Et puis, prochaine étape, les gars. Dans 4 jours, Arnold Classic UK à Birmingham chez moi. Je sais même pas si tu sais qu'il y a Arnold Classic UK qui s'est lancé, mais voilà, c'est le cas. Donc, on va avoir un salon, c'est à la place du Body Power, et bien sûr, j'y serai avec Nutrimuscle. Donc, si jamais tu passes dans le coin, je suis samedi sur le boost de Nutrimuscle. Ils auront un petit stand parce qu'on vient visiter un petit peu, tu vois. Nous, on est des Français, donc on vient voir un petit peu. Donc, ça me ferait plaisir de discuter avec toi, bien sûr. Passe nous voir. Je sais pas où il est le boost, hein. Si j'ai des infos, je te le partagerai sur Instagram, probablement. Allez, j'espère que c'était pas trop vendu tout ça. Il me reste au moins 3 minutes demain, je vais récupérer mon épaule tranquille, poster sur Instagram. Et puis on se revoit en salle avec les bros, je suis trop content de filmer pour vous. Aujourd'hui les gars, vous avez pas idée. Bon, je suis arrivé à Honneur avec le pomme god ici. Antoine. On a le bro Jules qui est là pour nous faire du content énervé. Regarde-moi ça. Et puis on a Erso qui arrive. Erso l'habite loin donc faut l'excuser. Oh c'est joli ça. I got you, bro, high five. Et puis moi je fais du squat en attendant parce que j'ai pas squatté de la semaine. Mais on va partir sur un upper, comme je t'ai dit. On change pas le plan. Avec, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu vois pourquoi on vient ici? Des lumières de dingue. Des lumières de dingue. Si t'es à Paris, viens Voltaire. Le réglage du siège, moi je le mets absolument tout en bas. C'est juste une histoire de régler la hauteur en fait pour avoir un poignet coude dans l'angle avec l'épaule et dans les fibres. Donc moi avec mon build à moi, c'est là. Ouais. Pour éventuellement un tout petit peu plus haut. Ouais. Mais quand je le mets un tout petit peu plus haut, quand c'est des vrais poids de charge de travail, je le sens pas bien. Alors que là, ça fait peut-être très bizarre avec les coudes très ouverts, mais en fait. Ouais, c'était pas mal, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà. Éducatif ou épique? Un peu des deux. Le premier exercice les gars c'est incline chest press, donc je vous avais dit c'est... On fait une séance, on fait un peu un mix en fait, j'ai menti. Un peu un mix entre séance Erso que vous avez là, et puis ce qu'on aime bien comme format avec Antoine. Ça on a la meilleure séance pour nous et pour vous bien sûr, histoire d'avoir un contenu de qualité. On va partir sur 3 sets, donc on en a fait 2 déjà, avec un RIR qui est bien sûr inexistant parce qu'on en fait que 3. Et puis tu vois la rep range elle est un peu... Bah après j'ai entre 6 et 12, c'est pas mal. 6 et 10, toi tu aimes bien. 6 pour celui-là, 6 et 10. Et on va passer sur un tirage après, bien sûr. Je m'en mets à 70. Ouais. À côté de toi là. Deuxième exercice, on est sur le aéro, la pull down de Hammer. Donc on va sur un focus dorsal. Ce qui est bien avec cette machine, c'est que du coup chaque bras est libre de travailler de manière indépendante. Et surtout, au niveau du siège, au niveau de l'appui, tout est customisable évidemment, mais surtout, on a la possibilité de pouvoir tourner. Le dorsal, c'est un muscle qui s'attache sur l'épaule, la hanche et la colonne vertébrale. Donc le fait de tirer juste simplement comme ça dans un axe bloqué, finalement, c'est suboptimal pour beaucoup de personnes. Là, le truc qui est vachement bien avec cette machine, c'est justement le fait de 1. Avoir un axe qui n'est pas trop vertical mais pas trop horizontal, et on est dans l'entre-deux,
mais surtout avec le siège, c'est pouvoir bouger, par exemple là, pour un peu plus étirer, et quand on arrive en bas, un peu plus twister comme ça, pour mieux contracter au niveau des fibres internes notamment, et les fibres basses, que beaucoup de personnes ont du mal à aller chercher. Donc, un fondamental. Vas-y, passe, c'est un sujet. Allez, rendement. Boule. Let's go. Justement, et dites-vous que le meilleur accessoire d'entraînement, le meilleur matos que vous pouvez avoir à l'entraînement, surtout à un niveau avancé, vraiment, c'est le genre de petit détail qui va nous protéger, c'est un partenaire d'entraînement. C'est vrai, il faut qu'il sache ce qu'il fait, c'est très important ça. C'est dangereux parce que vous allez très loin dans les bras, mais c'est peut-être ça aussi qu'il vous faut pour passer à l'étape supérieure. Je vous recommande de regarder autour de vous si vous pouvez pas amener un bon pote, un lifter. On est sur internet, vous pouvez toucher toute la France. Allez lifter avec un mot, parce que là vous aurez le meilleur matos. Même si vous avez un truc genre Matrix, tu vois. Matrix avec un mot, ça devient des bonnes machines. Hammer tout seul, c'est génial. Mais Hammer avec un bro, c'est fantastique. On explose. Hein. Adopte un training partner. Idée de business. Du RSO, donc. Vas-y, montre-nous de quoi il s'agit. Y'a son coude qui nous chante une chanson là, non? Là c'est esthétique as fuck quoi. Qu'est-ce qu'il y a pas de En fait je sue et mes bras ici c'est des viennes des patates. Le moindre définition de gène disparaît. Ah, donc ça rentre et après il y a plus rien. Et faut que le coude hein, on le voit, et après ça va à nous. Et t'avais pas essayé la technique bah, notamment de mécalionner dans la ligne de clavier, que quand en fait t'as les bras ultra congestionnés, tu les mets comme ça au-dessus de ta tête, ouais. Comme ça le sang il redescend. Ouais, non. Allez, mon exercice favori, la chest press unilat avec Antoine. Du coup, on va pas faire d'isolation du tout aujourd'hui. On va se concentrer que sur ces mouvements polyarticulaires. En vrai, on a tout ce qu'on veut ici. Va étirer ta longue portion derrière, pullover là. Ah non, derrière, je suis derrière, parce que les poses et les poings.
20 ans que j'ai pas parlé à la caméra. Allez, copyright, cimer. On est sur un tricep pour les bras. Donc on a rolling triceps extension, curl supination, curl marteau. Et puis c'est quasiment tout ce que j'ai à dire. On a presque terminé la séance là-dessus. C'est absolument épique ce qui se passe ici. Curl fat grip. Alors ça, génétiquement, j'ai déjà des avant-bras de poteau. Merci papa. Mais je m'étais dit, tiens, je vais voir ce que ça donne si j'essaie de faire passer au niveau supérieur, ce qui est actuellement ce que je suis en train de faire. Risqueur, pas de grip, comme j'ai de grandes mains et que les barres sont fines. Confort, il n'y a pas mieux, car c'est pile dans la paume comme ça. Vous pouvez forcer, il n'y a pas de problème. Et ça se traduit très bien sur des barres, sur du travail à barre libre, droite. C'est 10, deux fois par semaine, avec curl marteau et ou curl pronation et un peu de wrist roller pour les extenseurs. Je vais se faire des épicondylites, pardon, des trucs à la con là, le tennis elbow. Et puis on est bon, gros tout gourde. Le look m'envoie. En plus, il fait tout pop, c'est même le dos, triceps. Effectivement. Ah oui. Et imagine passer à côté de ça en fait. On est d'accord. J'avoue. On est d'accord. C'est très naturel ce truc. Ça change le look. Ça change le look. Ça fait 5 cm de largeur en fait. De front, de face, tout d'un coup. Toi qui as déjà une structure. Non, j'avoue. Ouais, non, c'est vraiment ça qui pousse tout en fait. Moi, il y a un an, je te voyais faire ça, je me disais, ouais, il sait pas faire de muscle ce bâtard, tu vois. Et toi, c'est 1,7. Ça rend très bien. Mais il y a un truc que j'avais vu, c'est le Dr. Clay Hyde, qui est un bodybuilder naturel. Il y a quelques années, son triceps préféré, lui, pour taper les épaules très vite après un développement. Vertical lourd et un ring menton notamment en loose. C'était oiseau, élévation latérale, frontale, développé à terre. Avec les mêmes années. Ça fait plaisir de s'en découvrir. Juste une petite dédicace au gros. Dédicace à Antoine. Mmh. Dédicace à Jules qui va nous créer un contenu. Enfin qui nous a filmé un contenu de dingue. Dédicace au boss. Perso, je vous avais dit de toute façon. Et lui il bosse hein, pour la tête. Ben, je vous avais dit. On s'est fait une bête de séance. Un peu à la cool, à la fun en vrai, entre, oui, entre gros. Un peu hors programme. Ouais. Garde-le en tête, hein, c'est pas un point de fil ce qu'on a fait, c'est juste que voilà, on était tous les trois, on voulait vous faire du contenu. Tous les trois, sont pas 4 heures effectivement. Ouais. mais bon, ça fait plaisir, j'espère que ça vous a plu. J'ai les liens des deux dans la description de la vidéo. Et vous avez compris, on va commencer à faire du contenu ensemble de plus en plus. Donc allez les suivre bien sûr. Yep. Yo, next. Bleu, follow, share. Toi-même tu sais. Bon, on se retrouve ici le lendemain matin. C'est la classique Lucas vlog de terminer le lendemain parce qu'on a terminé trop tard. J'espère que t'as bien aimé la séance que j'ai réalisée avec Erso et Antoine hier. Je l'ai pas encore édité, donc je sais pas encore comment je vais te monter ça. Parce que je sais qu'on a beaucoup parlé et j'ai envie que tu bénéficies de tout cet échange qu'on a eu avec Erso, Antoine, hier. Mais je vais me démerder, je suis sûr que c'était très bien, enfin j'ai fait de mon mieux, en tout cas sache-le. Que ce soit pas trop long et intéressant. Je t'ai pas partagé de nourriture dans le vlog précédent, mais ça me ressemble pas. Donc viens, je te partage mon petit déj du moment. Alors c'est la première fois depuis longtemps que je mange des œufs le matin. En fait, je me permets de manger des œufs le matin quand je m'entraîne pas vers midi. Aujourd'hui, je m'entraîne pas du tout. Ça faisait 5 jours d'affilée que je m'entraînais pour le contenu avec les bros. Je suis éclaté. Je suis absolument éclaté. J'ai pris même un petit physique update au réveil là, parce que j'ai vu que j'en avais pas mis. J'avoue que j'étais torse nu toute la séance hier, donc t'en as assez vu. Mais juste histoire, t'es un truc à froid le matin, tu vois, honnête, sans pump et tout. Donc je l'ai pas regardé encore, mais bon, tu l'as probablement à l'écran. C'est un petit déjeuner extrêmement riche en lipides et j'avais envie. Ouais, j'avais envie, je m'en fous un peu. Depuis 8 jours, quand je suis à Paris, là, je ne traque pas mes macros du tout parce que je ne suis pas chez moi.
Je pourrais bien sûr, mais je le fais pas. Oh, j'ai plus de batterie, il faut que je me dépêche. Voilà, beaucoup de lipides ici, je mangerai plus carbeux et un peu toujours protéiné dans le reste de la journée. Puis aujourd'hui, on va aller voir Nutrimuscle. On va discuter du contenu qu'on va créer pour vous. On en a déjà beaucoup discuté, on va mettre ça en place plutôt. Ça va être terrible, ça va être terriblement bien. Allez sur la page de Nutrimuscle, inscrivez-vous, abonnez-vous à la page, notamment Instagram de Nutrimuscle. On va faire plein de contenu musculation, ça va être vraiment trop bien. Genre, vraiment trop bien, je te le dis. On a travaillé pour ça et on a une équipe incroyable, vraiment. T'as bien aperçu hier. Et donc, du coup, le contenu va être cool. J'avais envie de vous partager ce qui m'a changé mon quotidien. Et je rigole pas, genre, vraiment changé mon quotidien. Tu vois, en début d'année, j'ai fait des vlogs. J'étais un peu... Bon, bien sûr, il y avait un peu grassouillé, etc. Mais surtout, j'étais tout le temps ballonné. Bon, ça a été aussi le problème, mais ça a été également la solution. J'utilise du psyllium blond chaque soir avant de m'endormir pour me faciliter le transit le matin. Et du coup, je ne t'ai pas trop expliqué, je t'expliquerai plus tard, mais j'ai eu des problèmes au niveau, en gros, du mur. Tu vois, de la sangle abdominale. J'ai eu une sorte d'hernie, tu vois. C'était pas une hernie, pour le coup, c'était plutôt diastasis, donc en gros, les abdos qui s'écartent. Et du coup, j'ai eu moins de force de contraction, j'ai été dans l'incapacité de contracter mes abdos pendant longtemps, c'est à ça que je faisais référence sur mes stories Instagram, etc. Et donc du coup, ça a impacté énormément mon transit, genre vraiment beaucoup mon transit, et ça a été un enfer pendant 2 ans. Je rentre pas dans les détails, bien sûr, mais ça a été un enfer, tu vois. Genre, tu peux pas aller aux toilettes autant de fois que tu veux, et quand tu manges beaucoup, parce qu'à ce moment-là, je mangeais beaucoup, c'est très problématique. Et ce truc-là, avec probiotiques, avec bien sûr un peu des fibres dans la journée, mais surtout ce truc, tous les soirs, juste une cuillère avant de m'endormir avec beaucoup d'eau. J'ai plus aucun souci et ça m'a nettoyé la sangle, quoi. Je suis trop content parce que ça me pesait de fou. T'imagines t'entraîner avec le ventre plein comme si tu sortais de table. C'était un enfer. Et ça m'a changé mon quotidien. Donc, je te le recommande. Pas de marque en particulier, hein. Psyllium blond. Fais gaffe parce qu'il faut beaucoup boire. Sinon, c'est l'effet inverse. Hein. C'est des fibres. Donc voilà. Et puis, venez, on termine la vidéo là-dessus. Je vous mets bien sûr la chaîne de Erso dans la description de la vidéo. Il vient de sortir une vidéo en plus, genre hier, quand j'enregistre cette vidéo. Dans le même délire, une séance à Voltaire avec un pote à lui. Donc, je vous invite à aller la visionner. Ce sera exactement un peu dans le même vibe qu'on a fait hier. Je n'ai pas encore regardé parce que j'étais occupé hier, mais je la regarderai aujourd'hui. Et puis, je vous mets comme d'habitude tous les liens utiles dans la description de la vidéo. Nutrimuscle, le code promo. Nutrimus, comme ça, t'as 10%, NM_with10 pour tes commandes. Tu sais qu'on a même la méthode de la vie sur Nutrimus, aux dernières nouvelles. J'ai pas regardé le stock aujourd'hui. Mais on a même les méthodes de la vie, tu vois. Tes complémentaires, etc. Et puis tous mes réseaux sociaux. Et en ce moment, je t'ai dit, je bombarde dans ça. Je sais que je l'ai répété dans le vlog que t'as vu hier aventure, je sais pas quoi. Mais vraiment, je bombarde. Un gros de mon focus pour le contenu. Tu vois, je t'avais dit, j'allais plus avoir de batterie avec ces conneries. Oui, je bombarde Instagram. Donc, si t'es anti-Instagram, dis-toi que quand même, t'auras beaucoup plus de contenu stylé sur Instagram. Peut-être que ça vaut le coup pour toi d'aller voir. Je te force pas définitivement. Ça change pas ma vie non plus si t'es là-bas, mais ça peut changer la tienne. Parce que c'est du divertissement. J'essaie de t'apporter des trucs à chaque fois. Donc, je te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous peut-être là-bas sur les stories ou les reels ou les trucs en particulier que je poste là-bas également. Mais vive YouTube! Allez, je suis super content de vous avoir ici. Désolé pour la claque. Super content de vous avoir ici. Je m'éclate sur les vidéos. Donc, en vrai, on est bien déjà ici, c'est sûr. Et je vous remercie d'être toujours là, de regarder les vidéos. On a des vues extra pour des vlogs. Vous revenez en force. Vous me faites ultra plaisir. Donc, merci à tous. Merci à tous, les gars. Merci au patron, comme d'habitude. Merci à vous, si ça vous a plu, bien sûr, vous me faites comme d'habitude et vous me pumpez cet algorithme-là, comme ça on revient en force. Et tout le monde peut revoir, enfin tout le monde qui a envie de revoir mon contenu va revoir mon contenu, parce que comme tu sais, c'est quand tu publies pas, c'est pas reproposé. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. La prochaine, ce sera probablement vers l'Arnold Classic. Possible que je sorte la caméra sur le week-end, même si ça va être la folie, hein, parce qu'il va y avoir la planète à Birmingham. Mais je pense qu'il faut que je saute sur l'occasion pour vous. Et puis, donc du coup, c'est bientôt, c'est à la fin de la semaine. Donc, tu auras encore un vlog la semaine prochaine. Il n'y a pas de toutes les 2 semaines là pour l'instant. Je dois te partager tout ça parce que c'est trop excitant. Voilà, merci. Bonne journée. À la prochaine.
Peace out. Yo.